Comme je le disais avant de commencer, de toute façon qu'on termine premier ou pas, ça ne fera pas remporter une World Series, donc ça ne changera pas grand chose. Voilà. Ce qui est bien, ce qu'il faut retenir, c'est que je crois qu'on a, sur ce tournoi-là, en tout cas, on a franchi un cap, on a fait preuve de plus de régularité sur les phases de poule et sur le match de ce matin. Et donc voilà, on va continuer de travailler là-dessus. Et puis ce qu'on va retenir, c'est aussi l'ambiance qui est ici, c'est la première à Paris et c'est assez extraordinaire ce qu'on vit nous en tant que joueurs. Pour expliquer aux gens, vous êtes en configuration sur chaque tournoi d'un tournoi de JO, puisque ce sera la même chose. Bah ouais. Et là, vous allez quand même disputer pour une médaille. Ouais, exactement. Si on était à Rio, ce serait une place pour la médaille de bronze. Donc je crois qu'on n'a pas à rougir. Il faut encore travailler pour affirmer cela et pour aller chercher une médaille bien entendu cet été. T'as pas le sentiment quand même d'être passé à la finale? Bien sûr, faudrait que vous fassiez la finale. Après, voilà. Après on connaît le World Series, on connaît les Fiji, vous savez, si en début de saison on aurait dit qu'on aurait disputé la troisième place à Paris, on aurait signé tout de suite. Aujourd'hui on est là, on a passé des moments plus difficiles, mais je crois que voilà, il faut continuer de travailler. Voilà, si on avait gagné le tournoi, ce serait plus arrivé, je ne sais pas si c'est la bonne solution. Merci. Voilà, avec plaisir.